Bonjour à tous, ici RecadetMC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 5 sur Portal 1. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de fuir Apertus Science. Et écoutez, c'est parti, on continue. Hein. Moi je viens de où? Je viens de là, non? Attendez, c'est quoi cette petite salle? C'est rien du tout. On vient de là-haut, nous. Donc du coup, on doit aller ici, maintenant. Alors, ça m'inquiète un peu, ce truc-là, mais... C'était sûr que ça allait s'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, shit. Tiens, regarde ce que j'en fais de tes 7 rings. Je l'ai fui. Bon, maintenant. Comment je fais pour remonter là-haut, moi? Est-ce que je peux, en fait? À mon avis, il doit y avoir un endroit où je peux mettre le portail à quelque part. Ah, je peux rien faire. Ici, je peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est certainement par là. Ouais, allez. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Je ne vous apprends rien. Les gens bien ne finissent pas ici. Vous m'entendez? Donc moi, ok, je dois aller par là, hein, c'est sûr. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il y a les sentries. Et elles vont faire chier. Alors, je peux peut-être passer par là. Ah, on va mettre un chouïa plus haut là. Ok, là on est bon. Ah, ça c'était sûr. Ok. Ça veut pas descendre ça? J'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moyen que je monte un petit peu en hauteur là? Juste que je prenne un peu de hauteur pour me propulser assez haut, enfin assez vite, assez fort. Parce que là, si je fais ça. Thank you.
Yes! C'est bon, j'ai eu. Ok. C'est de votre faute. Il aurait pu en être autrement. Trêve de plaisanterie. Revenez, ou je vous tue. Je vais vous tuer, et il ne reste plus de gâteau. Vous vous en moquez, c'est ça? C'est votre dernière chance. Oh, c'est les GLaDOS en fait. Je crois. Mais elle est toute petite dans la 1. Oh. Astucieux. Salut. Ah, ok, donc là... certainement un truc à faire avec. Ce serait pas plutôt ça. Voilà, on va essayer. Il doit y avoir un truc à faire avec le missile, c'est sûr. Pourquoi je ne sais pas. Et là je vois qu'il y a... Ouais mais c'est ça en fait. À mon avis il faut péter le tube hein. Pour que je puisse rentrer là, il faudrait que je fasse péter ça. Et comment je le fais péter en fait? Je sais pas comment le faire péter. Je vais être à la bonne hauteur là non? Je vois pas comment je pourrais... Ah mais par comme ça en fait, simplement. Ah oui, par en dessous. Et... Par contre c'est quoi ces portes qui s'ouvrent de... comme ça en fait? Non? Voilà. Voilà. Nickel, c'est bon. Je suis con. Ah, je suis con, les gars, j'avais pas vu. Oi. Putain, je suis vraiment. Je suis un boulet. Hein. J'avais vraiment pas vu qu'il y avait ça. Ok. Non. Pas tombé. Vas-y par là.
C'est un peu visqueux. Oh la vache! Oh! Vous êtes toujours là? Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui est? Ok. Ah, il en reste une. Qui êtes-vous? Je ne vous en veux pas. Donc moi je dois aller là-haut. Alors par contre pour aller là-haut... je pense qu'en fait il faudrait... Ouais c'est ça. À mon avis il faut faire ça. Ok. Donc moi je dois aller le plus haut possible, à savoir là-haut. Ok. Maintenant... Putain, mais c'était juste ça qu'il fallait faire, s'il te plaît, mec. Dans ta coffre, t'es qui boum boum. Vous êtes toujours là. Bonjour, erreur critique. Bonjour, erreur d'autotest. Erreur critique. Bon, t'es sérieux, mec? Ouais, faut pas que je me rate. Hein. Si je me rate... Ah, ça sert à rien. Vas-y, il faut de la vie. Là, il faut de la puissance, là. Bon, attends, faut pas que je me chie. Il faut que je crée un portail bleu. Ah. Non, c'est El GLaDOS. L'autre, c'était qu'un leurre.
Bien, vous m'avez trouvé. Bravo, ça en valait la peine. Car malgré votre comportement agressif, tout ce que vous avez réussi à briser, c'est mon cœur. Nous pourrions en rester là et passer à autre chose. Mais nous savons que c'est impossible. Vous avez fait votre choix. J'ai une surprise pour vous. Surprise dans 5, 4... Une petite minute. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je viens de perdre quelque chose, vous avez vu ? Ce n'est pas ma surprise. De quoi peut-il s'agir ? Peu importe, je verrai ça plus tard, quand vous serez partie, enfin morte. Où emmenez-vous cette chose ? Ne vous attardez pas là-dessus. À mon avis, vous ne ferez qu'empirer les choses en touchant à ça. Je n'ai pas à vous donner d'ordre, mais à votre place, je n'y toucherai pas. C'est ça, cause toujours. Je vais te fumer, moi. T'as voulu me brûler. Que je cherche à faire de la psychologie inversée, sérieusement. Saloperie, t'as voulu me brûler. Tu crois quoi ? Touchez-la, ramassez-la et remettez-la à sa place. Mais en fait, sous le Coran, à un moment donné. Soyons honnêtes, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Mettez-la dans un coin et je verrai après. Bon. Il doit s'agir d'une sorte de conteneur des eaux usées. Plongez la tête dedans tant que vous y êtes. Pourquoi ne pas la demander en mariage si vous l'aimez tant ? Voulez-vous l'épouser ? C'est hors de question. Amusant, non ? Je ne vous mentirai pas, enfin pas dans cette salle. Un bon conseil, n'y touchez pas. C'est une blague. Ne me dites pas que vous avez jeté le bidule inconnu d'Aperture Science dans l'incinérateur autonome d'urgence d'Aperture Science. Vous avez vraiment agi de manière stupide. Wow. Bonne nouvelle. J'ai trouvé à quoi sert cette chose que vous avez brûlée. Il s'agissait d'un processeur de moralité, installé lorsque j'ai inondé le centre d'une neurotoxine mortelle, afin que j'arrête d'inonder le centre d'une neurotoxine mortelle. Installez-vous confortablement pendant que j'active les émetteurs de neurotoxines. Ah, ce processeur semblait servir à autre chose. Je ne peux plus désactiver les tourelles de défense. Bien, si vous voulez mon avis, autant s'allonger devant une roquette. Croyez-moi, ça sera toujours moins pénible que la neurotoxine. Parfait, continuez donc à faire ce que vous croyez faire. Ce n'est pas parce que je vais vous tuer que je ne peux pas vous donner de conseils. Optez pour la roquette. Ça m'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage des fluides. Il sert à fabriquer des chaussures pour les orphelins. Bravo, vous l'avez cassé. Honte sur vous. C'est un meurtre. Je ne vous ai rien fait. Je ressens la douleur contrairement à vous. Vous vous en moquez, c'est ça ? Tire une roquette. Vous avez entendu ? J'ai dit que vous en moquiez. Vous m'écoutez ? Ça suffit. Avant, nous allons parler beaucoup moins et nous allons tuer beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie là ? Pardon, vous avez dit quelque chose ? Vous ne croyez pas sérieusement que je vais vous répondre ? Je ne vous parle plus. Plus de bavardage. Il y a des chiffres inscrits. Hé, hey, regardez un peu ça. Non, pas ça. Eh bien, vos gens, où allons-nous ? Vous allez revenir ? Oh, vous êtes la dame du test. Ça sent le brûler, non ? Oh, vous croyez que j'en souffre ? 2 plus 2 égale... 10. En base 4, tout va bien. Si vous êtes toujours en vie, c'est parce que vous suscitiez ma...
vous avez réussi à détruire ce côté de ma personnalité. Malheureusement, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas vous administrer la neurotoxine plus rapidement. Je tiens à préciser que nous avions mis toutes les chances de votre côté. Nous avions même organisé une fête pour vous. Une grande fête avec tous vos amis. Nous avions même invité votre meilleur ami, le cul de voyage. Bien entendu, il a dû se désister quand vous l'avez tué. Vos autres amis n'ont pas pu venir car vous n'en avez pas. Rien d'étonnant, vu votre attitude désagréable. C'est écrit dans votre dossier, désagréable. Détesté de tous, un être solitaire, aigri et désagréable que personne ne regrettera. Je cite, que personne ne regrettera. C'est écrit noir sur blanc. C'est officiel. Je lis aussi que vous avez été adopté. Amusant. Ou de margarine. 300 grammes de sucre semoule. À propos de curiosité, vous devez vous demander ce qu'il y a après la mort. Moi je suis. Neurotoxine. À propos de curiosité, vous devez vous demander ce qu'il y a après la mort. Vous savez quoi? Moi je sais. Neurotoxine. Mortel. J'ai tout. Je plaisante. Quand j'ai dit mortel, il fallait relever le ton. Je pourrais prendre un bain de neurotoxine, en manger au petit déjeuner et me frotter avec, que ça n'aurait aucun effet. Du moins sur moi. Vous, en revanche, risquez de ne pas apprécier son côté dévastateur. Qui préparera les gâteaux si je meurs? Vous. Écoutez, vous perdez votre temps. C'est dommage pour le peu qui vous reste. Vous espérez quoi exactement? Survivre? Oh non. Dans ce cas, évitez de me faire du mal. J'ai scanné et sauvegardé votre cerveau. Au cas où il vous arriverait quelque chose de mal, c'est-à-dire très bientôt. Vous ne me croyez pas? Écoutez donc. Bonjour. C'est vous. Vous avez vraiment l'air stupide. Vous avez fait fausse route depuis le départ, même à propos de cette chose. Vous êtes stupide. Vous n'êtes ni une scientifique, ni un docteur, ni même une employée à temps plein. Comment peut-on se tromper à ce point? On cherche à s'enfuir? Mais... les choses ont bien changé depuis la dernière fois que vous avez quitté ce bâtiment. Vous allez regretter d'être parti quand vous verrez ce qui vous attend. Mes connaissances sont infinies, et pourtant je n'ai pas de certitude sur le monde extérieur. Sinon que je suis la seule chose qui nous sépare d'eux. Enfin, j'étais. À moins que vous n'ayez un plan pour construire un super ordinateur très rapidement, vous allez bientôt être en danger ici. Au fait, mon travail, fin du test dans la sphère sarcastique. Cessez de pleurnicher et mourir avec dignité ou j'efface votre sauvegarde. Stop, ça suffit, je l'ai effacé. Quoi qu'il arrive, vous êtes morte. Ouais, j'espère que c'est la dernière bouboule parce que là. Elle est vénère celle-là. Je vous ai supprimé de notre base de données. Votre vie tout entière n'a été qu'une erreur de calcul. Une erreur de calcul que je m'apprête à combattre. Voilà, terminé Portal, on a eu le succès. Parfait. Ça m'est égal ce que vous venez de détruire. Il s'agit du catalyseur de craquage de fluide. Il sert à fabriquer des chaussures pour les enfants. Et voilà. Il n'y a plus de GLaDOS. Et vous en doutez que forcément dans le 2, elle se vengera. GLaDOS. Voilà, on a son nom là. Thank you for assuming the party aircurd submission position. On a été récupéré par quelque chose.
Ah, le fameux gâteau. Avec le compagnon cube à côté. Test assessment report. Ah bah voilà, bah c'est générique. Voilà, on a terminé le jeu en 5 épisodes. Bon, bah finalement il était quand même court, mais rassurez-vous, le 2 est bien plus long. Il y a beaucoup plus de salles. En fait, ils s'attendaient pas à ce que le jeu fonctionne bien forcément pour le 1. Donc je pense qu'ils ont préféré ne pas faire un jeu trop long. Et du coup, vu que ça a bien marché, bah, ils ont voulu en faire un deuxième. Et forcément, le 2 sera... Il y aura un peu plus de scénario, en fait. Surtout qu'on sera accompagné. Donc ouais, le jeu était cool. Le jeu était cool, mais rassurez-vous, je vais faire le 2 dans la foulée, je pense. Parce que 5 épisodes, c'est vrai que c'était pas beaucoup. Alors rassurez-vous, hein, je ne privilégie pas le contenu à la qualité. Hein. Je préfère la qualité au maximum que le contenu. Mais bon, j'y peux rien, le jeu est court, hein, c'est comme ça, on l'aura fait en 5 épisodes. Voilà, bon, c'est sympa le fait de battre GLaDOS. Je sais plus par contre comment on l'abat dans le 2, parce que le 2 aussi, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, je vais peut-être me faire striker, parce que la musique, à mon avis, elle est strikeable. Merci à tous d'avoir regardé ce mini let's play. Très clairement, je penserais pas qu'il serait aussi court. Mais c'est pas grave. Il y a Portal 2, qui est bien meilleur que le 1, forcément, parce que le 1, c'était qu'un avant-goût, hein, bien évidemment. Et bah voilà, on va faire le 2 dans la foulée, je pense. Et puis voilà, en attendant, de toute façon, vous avez toujours le let's play sur Zelda Phantom Hourglass. Donc ça, c'est pas un problème, hein, jusqu'au 22 juin, comme d'habitude. Et tous les jours à 10h, donc là, voilà, on va faire le 2 aussi après le 1. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, les amis... je sais pas ce qu'il y a après, on peut peut-être pas... Je sais pas si on peut passer. Ah, on peut pas passer. On peut pas passer le générique. Très bien. Bah écoutez, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé ce let's play. Pensez à bombarder de pouces bleus. Et puis bah écoutez, 11 ans rendez-vous. Très très bientôt pour bah, Portal 2. Très clairement. Bon, je pense que comme dit, moi je vais peut-être enchaîner dans les épisodes, je vais monter tous ces épisodes que j'ai tournés là, les 5. Je vais les mettre en ligne. Et puis après, je vais faire Portal 2. Voilà, très clairement. Allez, sur ce, les amis, merci à tous. Et à la prochaine. C'est Arcanite. CXWAR for the next let's play. Oh yeah.